il suffit de refermer la fenêtre. Oups. Non, mais... Tu vois, je pensais faire comme ça. C'est pas mal, non? Ok, c'est bon? Un parrainage compassion, c'est tout simplement toi ou moi ou n'importe qui d'autre qui décide de soutenir un enfant qui vit dans l'extrême pauvreté et de le soutenir sur plusieurs années. Il y a quand même 800 millions de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté dans le monde et Compassion soutient 2 100 000 enfants. Même dans un pays où la nourriture ne coûte pas cher, vivre avec moins de 60 francs par mois, voilà. Donc là, ça fait à peu près 50, alors 60, c'est par ici, voilà. C'est pas beaucoup, n'empêche. À la poste, il les change. Alors comment on s'y prend? C'est très simple. En fait, on travaille avec des églises qui sont des partenaires sur place. Ces églises, elles vont dans des quartiers vraiment pauvres de leur région et elles identifient des familles qui auraient besoin d'aide. On inscrit les enfants sur des listes et on commence à soutenir ces familles. À partir de là, moi, mon travail, et le travail de plein d'autres personnes, c'est de trouver des parrains et des marraines, des gens qui seront d'accord de soutenir ces enfants. Et le parrainage se monte à 42 francs par mois. Pourquoi dans l'autre vidéo, tu as dit qu'il fallait 50 francs? J'y comprends plus rien. PS, si t'as vraiment trop d'argent, tu peux me le donner au lieu de le couper. C'est assez simple en fait. 42 francs par mois, c'est le montant minimal. Mais la plupart des parrains décident de soutenir avec 50 francs. Et avec les 8 francs supplémentaires, ça nous permet de parrainer d'autres enfants. Des enfants pour qui on n'a encore pas trouvé de parrain par exemple. Grâce à cet argent, on aide les enfants au niveau de la nourriture, des vêtements, des fournitures scolaires, des médicaments. On va aussi leur donner une formation sur l'hygiène par exemple. En fait, on essaye de répondre aux besoins fondamentaux des enfants pour leur permettre de cartonner dans leurs études et d'avoir une chance dans l'avenir. Ce qui est génial, c'est que l'aide qu'on donne à cet enfant-là permet ensuite à toute la famille de beaucoup mieux vivre. En plus, une fois devenus adultes, les enfants qu'on a parrainés deviennent des exemples inspirants pour leur communauté et parfois même des... moteurs économiques. Acteurs économiques, pardon. En fait, c'est un levier formidable. Un simple don peut avoir un effet extraordinaire. Alors le parrainage comprend aussi deux autres aspects. Le premier, c'est la prière. On va vraiment encourager les parrains, les marraines à prier pour leurs filleuls parce que le challenge, il est énorme. Et puis, on a besoin vraiment d'un coup de pouce d'en haut. L'autre aspect, c'est la correspondance. En fait, on écrit à nos filleuls et puis là, on a des bénévoles qui traduisent. Parce que bah ouais, t'as pas besoin d'apprendre le cingalais ou bien le tagalog pour correspondre avec ton filleul ou ta filleule. Même si ce serait un super défi pour cette année, tu peux apprendre une nouvelle langue, c'est la classe. Moi par exemple, j'ai décidé de me mettre au suisse allemand. Comment on dit compassion en allemand? Compassion. Compassion. Ah non, c'est pas... Je sais même pas faire l'accent. Dans ces lettres, on les encourage, on les motive, on prend des nouvelles, on partage un petit peu de notre quotidien et eux partagent un peu du leur. C'est super motivant. Et aussi, ce qui compte vraiment, c'est qu'on leur rappelle qu'ils ont de la valeur à nos yeux. Voilà, c'est très simple. Et peut-être que c'est à ta portée. Donc si c'est le cas, je t'invite à aller sur compassion.ca. Tu peux cliquer sur l'onglet parrainer et tu peux réussir ta vie en faisant réussir celle d'un autre. Sinon, ben, tu réussis ta vie autrement, c'est pas un problème. Mais au moins, si tu pouvais transmettre cette vidéo plus loin, ce serait cool.